longest spot to vacation, eh? You will receive our most sacred body. It begins now. Je pense que vous l'avez compris à travers l'ambiance de cette vidéo, on va clairement parler de la saga Resident Evil. Nous sommes en 2005. Resident Evil 4 commence enfin sa commercialisation après un développement des plus éprouvants pour les développeurs et plusieurs versions bêta abandonnées. Le titre est clairement sorti dans la tourmente, mais ce que Capcom n'avait pas nécessairement prévu, c'est que Resident Evil 4 soit autant apprécié par les joueurs et qu'il figure encore aujourd'hui dans la liste des jeux ayant durablement marqué l'industrie du jeu vidéo, un matériau de base extrêmement populaire auprès des fans, qui sera de retour dès mars 2023 sous la forme d'un véritable remake, comme Capcom le fait depuis maintenant quelques années. Je me suis rendu chez Capcom France pour jouer en avant-première à Resident Evil 4 Remake sur PS5, et il est temps de vous donner mes petites impressions. Direction un sordide village espagnol afin de lever le voile sur différents mystères. D'entrée de jeu, Resident Evil 4 Remake vous remettra dans le contexte. 6 années se sont écoulées depuis les événements cauchemardesques de Raccoon City. Vous incarnez à nouveau Leon Scott Kennedy, à ceci près que le jeune policier qui commençait très mal son premier jour dans Resident Evil 2 est désormais un homme plus sûr de lui, entraîné par des services de renseignement, envoyé en mission, jusqu'à carrément aujourd'hui agir pour le compte du président des États-Unis d'Amérique, jusqu'au moment où un événement tragique va survenir. Ashley Graham, la fille du président, est victime d'un enlèvement et aura été localisée apparemment dans un village rural d'Espagne. Léon a donc pour tâche de se rendre sur place et de sauver Ashley. Et c'est lorsque Léon se fait déposer sur place par 2 agents de police que l'aventure, ou devrais-je dire le cauchemar, commence véritablement. Si vous aviez touché à Resident Evil 2 et Resident Evil 3 Remake, vous ne serez clairement pas dépaysé avec RE4. Le jeu propose une jouabilité évidemment plus moderne, plus fluide et accessible à tout type de joueurs. Et notez également que Capcom a modifié le système de déplacement et de la caméra par rapport au RE4 originel. Ici, les déplacements de Léon et la caméra sont totalement indépendants l'un de l'autre. Donc évidemment, c'est logique de moderniser tout ça, mais à l'époque, ça posait pas forcément de soucis à une certaine partie des joueurs. Vous allez donc avoir votre inventaire qui fonctionne comme d'habitude par cases, ce qui est assez iconique dans la saga. Vous pourrez également vous accroupir, sprinter et escalader certains obstacles. Mais là où Resident Evil 4 est particulièrement marquant, c'est sur le plan technique. Sur la session que j'ai pu faire, j'ai été directement plongé au cœur de l'ambiance du titre, un espace rural, lugubre, en plein automne, tandis que Léon avance au cœur de cet univers pour mettre fin au cauchemar. Que ce soit pour les textures, le travail effectué sur la lumière, le sound design ou encore le level design, tout sent très bon sur la session que j'ai pu découvrir. Capcom semble avoir aussi pris en compte les retours de RE3 Remake qui avait coupé une bonne partie de son scénario, je sais pas si vous vous souvenez, et la toute première séquence du jeu de RE4 semble avoir été rallongée. Ici, il y a une véritable notion d'enquête afin de chercher un policier qui est blessé et disparu dans une zone, puis dans une maison, afin de rencontrer le tout premier villageois du jeu. Au rang des différences, on note aussi une mise en scène qui prend en maturité et en modernité, ainsi que les cinématiques qui sont différentes. La particularité des RE4, c'est que c'est un titre qui mélange astucieusement l'héritage du matériau de base et également des éléments qui sont nouveaux. Tout va se juxtaposer afin de créer un ensemble qui est cohérent, qui est étoffé, tout en conservant la substantifique moelle qui a fait le charme de l'épisode originel. Un mot aussi sur les villageois qui sont tout naturellement toujours aussi incontrôlables, violents, et par ailleurs il y a un effort aussi en termes d'IA que j'ai pu relever, notamment sur la séquence dans le village en attendant que les cloches sonnent, où certains sont très intelligents au point de faire parfois le tour d'un bâtiment ou de m'attraper à la volée quand je passe devant eux. Ça va donner donc une situation qui est assez stressante où chaque Illuminados est un véritable danger. Certains ennemis peuvent carrément briser des parois pour vous choper et l'homme à la tronçonneuse qui vous poursuit dans le village peut faire tout de même de sacrés dégâts. En définitive, Resident Evil 4 Remake est une expérience plaisante pour les minutes que j'ai pu découvrir et j'ai sacrément hâte aussi de me plonger davantage dedans prochainement, peut-être un peu avant la sortie si jamais je fais le test. J'espère à présent que quelques passages ont pu être étoffés et non supprimés comme Resident Evil 3 l'avait pu le faire à l'époque, mais on pouvait s'imaginer
imaginé que c'était un bon gros remake, et c'est vraiment le cas, c'est de bonnes factures, et je pense que ça saura mettre les fans d'accord, du moins si la séquence que j'ai pu faire est vraiment représentative de l'intégralité du jeu. C'est ici que se termine cette preview de Resident Evil 4, n'hésitez pas à me dire en commentaire si jamais vous avez davantage de questions, j'hésiterai pas à revenir un peu dessus, et puis naturellement je vous dis à très vite sur la chaîne pour de nouvelles aventures, c'était Momo pour JVM, et puis comme d'hab je vous dis la bise, jouez bien, prenez soin de vous, et faites attention derrière vous, peut-être qu'il y a un Illuminados qui se cache. On n'en sait strictement rien. Ciao.